Moi, je m'appelle Clément Massé, je suis journaliste depuis 16 ans. Je voulais être journaliste dès le lycée. En gros, j'ai su en terminale que c'était ce que je voulais faire. Ce que j'avais décidé de faire soit à l'UT ou pas, enfin j'avais décidé de postuler aux IUT. Que je n'ai pas eu, je ne suis pas rentré à l'UT, mais j'ai fait une fac d'anglais. Donc j'ai fait une maîtrise d'anglais. Une maîtrise anglaise en traduction. Et tous les ans, je faisais des stages dans des rédactions. Tous les étés, je faisais des stages dans des rédactions. Après ma première année de fac, j'ai fait un stage dans une radio qui s'appelle Forum, qui aujourd'hui ne diffuse que de la musique, mais à l'époque, quand j'avais 19 ans, avait des journaux, un peu comme Radio France, France Bleu. Aujourd'hui, il y a France Bleu Poitou, mais à l'époque, il n'y avait pas France Bleu Poitou à Poitiers. Donc j'avais travaillé pour un été. L'année d'après, j'avais fait un stage aux États-Unis, l'année d'après. Parce que j'ai fait une année de licence. J'ai fait une année de licence avec la fac aux États-Unis, un échange. Et avant d'entrer à la fac, pour faire ma licence, j'ai fait 2 mois de stage dans une chaîne de télé à Lafayette, en Louisiane, qui s'appelle c'est une locale de CBS. Et pendant l'année où j'ai fait ma licence, c'était à Memphis, en Tennessee, je ne sais pas si vous situez, le fleuve Mississippi qui descend, la moitié des États-Unis, à Memphis. Entre, en haut, il y a Chicago, en bas, il y a Nouvelle-Orient, il y a mi-chemin, il y a Memphis. Bon, voilà, un petit peu concis. Pendant tout le deuxième trimestre de mon année de fac, j'ai fait un stage à la station locale de NBC, donc j'y étais 2 après-midi par semaine à peu près, 2 jours par semaine plutôt. Est-ce que c'était des journées entières où je partais en reportage avec des équipes de journalistes où on me montrait comment on travaillait. J'apprenais à faire une recherche d'informations, à vérifier des informations et ensuite à tourner un sujet télé. Parce que c'est bien beau d'avoir des informations, mais il faut le mettre en forme pour la télévision. Je travaille en ce moment à France 3, mais pas seulement. Je travaille pour différentes stations de France 3. C'est un choix que j'ai fait. On dit, quand on a ce statut-là, je ne suis pas embauché à France 3, je suis pigiste, c'est-à-dire que je travaille à la pige. À la pige, on désigne la pige comme étant une commande d'articles, mais ça s'est généralisé à toute la profession. Donc même quand on fait la télévision ou la radio, travailler à la pige, c'est travailler à la demande, à la journée, à la semaine, au mois, en fonction des besoins des entreprises.